Salut et bienvenue dans le monde magique de la jungle. Oh. Un ennemi tu sais, on cherchait un sanctuaire. Ouais, je sais, mais il y a un ennemi, alors avant. De toute façon, Breath of the Wild, c'est ça, on est distrait partout et puis... Je vais manger. Vas-y, on va manger de l'attaque là, genre. On va être obligé de faire le tour du monde à peu près 4 ou 5 fois. Allez, on va manger ça. Allez, on va le dégommer, je sais pas qui c'est. Mais c'est juste un lézal, non? Ah non, ah, c'est non, un... C'est... Ah, c'est trop bien, c'est la chanson qu'on chantait avant de lancer la vidéo. Oh non, on n'a pas d'armes. Bah justement, en le tuant, tu vas en avoir. Puis il y a ton chien, peut-être qu'il va t'aider. Ah, mais oui, il est bleu. T'en as déjà affronté un bleu? Non. Regarde cette esquive parfaite, là. T'esquivais quoi? Parce qu'il était super loin. Voilà, hein, Linel, c'est nul, en fait, hein. Oui, mais tu t'es entraîné sur plein de Linel. Du coup, voilà, je pense que comme moi, j'en ai pas encore affronté un seul, je ferai pas tout ça. Voilà, non mais oh. Vous vous souvenez d'Aluninel qui m'avait mis la pâtée? Et ben voilà. Il est vert, lui, genre, c'est trop bien. Il est bleu, non? Viscère, viscère de Linel. Oh. Ah, mais peut-être que ça peut être cool pour améliorer notre tenue. Ah, alors... Est-ce qu'il est mieux celui-là? C'est exactement le même. Bon bah, je peux le remplacer par celui-là. Bon, c'est bon, du coup, on reprend notre petite aventure après avoir massacré ce Linel qui sert à rien. Merci Linel de m'avoir fait perdre une vidéo entière alors que t'étais si nul. Gare, il y a encore des trucs. Attends, je suis où là? Oui, mais en fait, il y a rien à chaque mais fois. Mais tu t'éloignes du sanctuaire sinon. Bon, on va y aller quand même. Parce que lui, je le sens. Un trou en haut, c'est trop cool. Lui, je le sens bien, lui. Là, je le sens bien, le Korogu, là, je le sens bien. C'est ce que je me dis. Bon, par contre, ah Link... bah oui, regarde. Ah, il va falloir mettre un truc dedans. Ouais, par contre, Link, il monte pas, alors c'est... Ah oui, non, mais j'ai eu du mal, moi aussi. Mais il faut bourriner, et à un moment, il monte. Voilà. Non, c'est pas ça que je veux. Hein? Bah, bien joué. Ah non, c'est bon, c'est bien un trou. Non, j'étais pas sûr, je me suis dit, attends, il y a pas de trou, en fait. Et voilà, tu vois, je le sentais bien. Mais il y en a un autre, si tu veux. De Korogu? Non, pas forcément de Korogu, mais une plateforme là-bas, t'as vu? Oh, mais non, avec un caillou. Pas un coffre, on veut pas. Mais peut-être que c'est un Korogu, tu peux... En plus, là, il y a un coffre en dessous que tu pouvais ramasser avec Polaris. Où ça? Sous toi. C'est vrai? Ouais. Tu le vois pas, mais moi, je le sais. Ah, des poissons. Poissons. Bon, est-ce que je vais réussir à monter? Ouais. Ah, non. On sait que... Bon, par contre, est-ce que je veux vraiment... Oh, il y en a même trois. Allez, venez. Alors, le premier... Alors, j'espère pas de trop vous... haut, sinon il va tomber. Rip. Bon, Link descend, qui est bien, là. Allez, hop. À la pêche. Bon, par contre, là, par contre, j'avoue que... Non, viens ici. Peut-être que je peux t'ouvrir, voilà. Avant que tu tombes. Ah, une opale brute. Vas-y, tu le prends et tu le jettes sur le Korogu. Non, c'est bon, il m'a rien fait. Comment tu vas mettre un autre coffre? Il m'a rien fait, ce Korogu. T'inquiète. On gère. On gère rien du tout. Regarde, je... Effectivement. Oh, c'est pour battre le Linel. Je sais même plus si je l'ai dit, au final. Voilà, hein, les Linel ne craignent pas la glace. Hein. Si, tu l'as dit, je crois. Ouais, enfin, ou alors tu me l'as dit à moi, mais il me semble que tu l'avais dit en il vidéo me semble aussi. Que, je l'ai que dit. Les Linel, ils craignent pas d'éléments... Ouh là là, non. À part peut-être la foudre ou je sais plus quoi. Non, bah non, ils craignent pas la foudre du coup. Justement. Non, oui, justement, ils craignent pas la foudre. Mais les autres éléments, ça fait rien du tout. Il est pénible ce truc. Voilà. Bon, c'était nul. Ok. Bah, reste là. Donnez pas un arc aussi nul alors qu'il y a Linel juste à côté. C'est clair que là. Remarque, j'ai récupéré une lance de Linel, mais. Elle est pas mieux. Elle est nulle. Il était nul ce Linel. C'est clair. Moi je le sens pas trop, hein. Tu me dis qu'il y a un truc là, mais je le sens pas, hein, ton machin. Je pense qu'il y a rien. Non, bah non, tant pis, il le prend pas. Ça me rappelle que je voulais te dire un truc et j'ai oublié. C'est pénible. T'as oublié de me le dire? Ah, ok, les trucs en fait, c'est des trucs comme ça. Ouais, bon, il y a rien alors. Bon, mais si ça se trouve, il y en a, ce sont des Korogu.
Moi, je pense qu'il non, est mais là, il n'y a plus de... Il n'y a plus de... De sanctuaire, enfin... Je voulais pas descendre comme ça. Wow, wow, wow. Voilà, derrière une cascade. Je voulais voir justement s'il n'y avait pas un truc derrière la cascade, un peu comme... Bah, il y a plein de cascades, alors je suis sûr qu'à un moment, il y aura un truc derrière une cascade. Et voilà, tu vois. Ah, qui un a sanctuaire raison derrière une cascade. Qui a raison. Je sais pas pourquoi, je me dis que c'est pas ce sanctuaire-là qu'on détectait. C'est pas grave. Je le fais. C'est nul comme point de téléportation. Mais non, c'est super cool, une cascade. Tu vis à l'intérieur genre, d'une voilà, cascade. Voilà, c'est ma base secrète. Voilà. Tu sais ce qu'il nous a dit, Linel? Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon non moment. Allez, j'espère que tu vas passer un bon moment. Oh non, je le sens là que ça va être nul. Ah, ok. Comment je projette ça par contre? Ah ok, le il bouton est là le bouton. Maintenant. Dommage. Attends, mais du coup il se téléporte pas. En fait j'ai plusieurs chances, c'est ça? Il y en a que deux, je pense. Et du coup... Allez, on va tenter celui-là, parce qu'on est comme ça, hein. Wow. Oh ben non, le bouton, il est juste là. Attends, il fait quoi? Il se déplace de gauche à droite. Ok. Donc du coup, je suppose que c'est l'ombre, le... Ouf, bien joué. Purée. Wow, la musique, elle craque. J'espère que ça va aller. Ça, je peux vraiment pas le prendre. Hein. Oui, oui. Ouais. Je pense qu'on a que trois chances, du coup. Après, peut-être que tu peux aller dans l'eau. C'est lequel qui m'a eu? C'est celui de gauche. Mais je pense qu'il est tombé de l'autre côté. Oui, voilà, okay, il a roulé. Bon. Maintenant! Ah non, ok! Oui, j'allais dire, c'est en bas qui t'a eu! Qu'est-ce que tu fais? Ok, ok. Moi, je pensais que c'était beaucoup plus. Qu'il allait jeter beaucoup plus haut le machin, en fait. Facile! Et là, tu vas avoir besoin des autres pour la porte. Parce que bon, ok, t'as fait tadin, mais elle est où ta clé? Oui. Y a d'autres trucs encore à tirer? Oui, là, regarde là-haut. Oh. Ok. Comment on atteint ça? Bah oui, on peut pas grimper en plus. Ah, mais... Bah non, j'allais dire peut-être qu'il faut que je me projette. On va essayer. Hein. Link, par contre... Mais te projeter avec un boulet? Je pense que tu devrais y aller avec un boulet. Non, déjà, je vais y aller... Un coffre, non? C'était quoi, sur le côté? Ah, ah oui, oui. Bien vu. Pourquoi il est comme ça, le coffre? On dirait que il était là et puis tu l'as fait tomber. Mais non, j'ai des bombes. Je vais pas oui gâcher mes flèches. Wouah. Wouah. C'est juste. Enfin, je pense que c'est même pas juste du bout. Je pense que c'est mort, en fait. Mais... Oui, bah bon, oui. On se voit que ces bombes elles servent à rien. Parce que. Non, faut vraiment que je sois en bas, je pense. Je sais plus. Bon, qu'il y a un truc là plutôt. Peut-être une échelle. Bah non. Bah non, ce serait trop facile sinon. Et derrière, tout au fond, si tu nages. C'est pas pour remonter. Ah, mais c'est peut-être tout bête en fait. Parce que tu sais, on a un pouvoir là, on s'en sert jamais de Cryonis. Wow, j'ai grillé super fort. Bon, mais non, ça m'étonnerait en fait, c'est beaucoup trop bas. Allez, vas-y, noie-toi, Link. Téléporte-toi là-bas. Peut-être que les boules elles sont revenues à leur place. Celles que tu as mis dans l'eau. Non, il me reste qu'une d'ailleurs. Ouais non, c'est beaucoup trop bas. Hein. Même si tu fais un pilier devant le truc, tu penses pas que tu peux grimper avec tes pieds? Ah bah.
Merci, le pilier, enfin la plateforme mouvante. Ah. Ah oui, elle atteint la fin en plus. Moi je pensais que t'allais faire un joli saut et tout. Moi aussi, mais Link a pas eu envie. Oh, c'est pas assez haut. Non, non. Ah non, ça casse le pilier en plus. Bah, c'est pas grave. T'as qu'à utiliser un bouclier. Ouais, bon, enfin ça, hein, je pense que je vais plus le casser qu'autre chose, mon bouclier. Bah oui, tu vas le casser. Attends. Il se passe quoi si je retire ça? Rien. Mais si, ça faisait de la lumière. Oh ah. Alors il faut mettre les boules avant, là-bas? Ouais, ça va projeter un truc. Mais quoi? Alors ok, c'est bien beau, mais... Il y avait un truc? Parce que bon, je... Parce que là, pour faire de la musique. Ça me projette... Ça me projetterait un truc là-bas. Non, peut-être que... Ah oui, voilà. Dire ok, ça va faire ça, ok c'est génial, ouais, super, j'ai activé l'énigme. Ah mais non, ça a jeté le coffre peut-être, ça, peut-être ça. Ah, du coup t'as peut-être jeté un coffre et en fait on se casse la tête depuis tout à l'heure, mais... En fait il y a un coffre là. Bon là il y a avec rien. Une clé. Ah, il est là! Non? Ah non, c'est pas un coffre, c'est juste le mur. Oh bah oui, bien sûr. Elle est pénible cette plateforme. Oui, de toute façon, c'est forcément par là-bas. Mais je peux pas avoir raté un coffre. Est-ce que le coffre, on peut le... Enfin oui, j'ai forcément raté un coffre, c'est pas ce que je voulais dire, mais... Non, est-ce que le coffre, pierre. On peut pas le ramasser? Non, on peut pas le ramasser. C'est ça, il en fait. Purée, j'ai du mal à voir les trucs, en fait. Mais tout est de la même couleur. Et là, c'est la petite clé. Oui. Voilà. Et donc, tout du coup, est de la même couleur. Voilà, on a fini. En fait. Coup, tu vois c'est... comment perdre 10 minutes dans un donjon, alors que c'était simple, en fait. Allez! Laissez-moi rentrer! Bonjour monsieur, je viens chercher un quart d'endurance. Un quart d'endurance? On dirait que j'ai demandé un quart rempli d'endurance, genre. Bon. Alors, quelle est la différence entre un bus et un quart? C'est pas les mêmes lettres. Mais c'est le même nombre. Oui. Et d'ailleurs, on ne dit pas un bus, on dit un autobus. Donc, voilà. Mais tout le monde dit bus. Bus. Dry your tears, son. We are going to the bus now. Regarde. C'est quand même joli. Ah, alors, hein? Oui, mais ça mène où? Ah, en bas, il y a des trucs. En bas de la okay, cascade. Ok, Link. Pourquoi t'as pas sauté et volé? Et du coup, les... Ah non. Mais non, il pleut. Comment je vais faire pour monter? Et là, c'est quoi au milieu? Un corps au bout, je pense. Je crois que c'est une plateforme pour où je dois tirer ou voler. Ah, effectivement. Mais bon, par contre, ça va être chaud d'atteindre. Je peux pas l'atteindre, en fait. Bon. Pourquoi? Parce qu'il pleut. Peut-être que si je me téléporte, ça va changer la météo. J'espère pour toi. C'est la météo de Hyrule. Les statues de déesses sont vénérées en Hyrule depuis des temps anciens. Vous pouvez obtenir un réceptacle d'endurance ou un réceptacle de cœur. D'ailleurs, c'est de l'arnaque parce que le réceptacle d'endurance, ça donne pas un rond d'endurance, ça donne un petit bout d'endurance. Alors qu'un réceptacle de cœur, ça donne un cœur entier, pas un quart de cœur. Voilà, il pleut plus. Ah si, il pleut encore. Bon. Alors, Link, pourquoi t'as pas volé là? Voilà. Bon, là, c'est normal, je suppose. Peut-être que tu peux grimper sur la plateforme. Enfin, non, c'est un coffre. Peut-être que tu peux grimper sur le coffre. Peut-être que tu peux faire des piliers.
Est-ce que je peux faire des piliers suffisamment rapidement en dessous de moi? Oui, grimper. Ou grimper finalement. Tourne bien. Il y a un truc, c'est un rond, tu sais, tu dois atteindre le rond avant la fin du temps. Ah non, il est derrière, puisque il est dans le truc. Je pense que là t'as raté. Je pense aussi, mais en plus de toute façon il pleut donc. Oh, une perche. Normalement la flèche indique là où c'est censé aller. Voilà, c'est fini. Bon. Elle est fourbe votre énigme là, on voit rien. Bah oui, justement. Ah, c'est bon, il va faire beau. Ça y est, il fait beau. Donc il va mourir. Bon. Voilà. Ah oui, d'accord, c'est une flèche. Dépêche-toi, Link, vole, nage. Plus vite que jamais. Oh. Allez, on grimpe. Bon, ça, il me reste pas mal d'endurance. Ben non, c'était pas. C'est moi où on entend une statue comme. Peut-être le bruit des sanctuaires en fin de compte. Ok, donc mais. Il est où votre machin? Il y avait un pilier. Non, c'est pas un pilier. Non, mais moi j'aime bien perdre une demi-heure par Korogu, tu sais. Il y a un truc qu'on ne voit pas en fait. D'habitude, on le voit bien. Il est au-dessus. Oh, mais vous êtes sérieux, là? Comment on monte? Alors oui, avec Révali, mais après... C'est une mission avec Révali... Non, mais Link, par contre... Par contre, si j'échoue... Non, c'est trop... Mais comment tu fais cette énigme? Mais... Non mais là, Il faut bien caler tes Révali et c'est bon. Non mais il y a un autre truc, c'est pas possible. Wow, deux pierres! De quoi? À déplacer. Ah! Ouais, non mais... Non mais c'est pas possible, il y a un truc avec... Il y a un truc... Peut-être qu'on n'a pas encore un pouvoir qui permet de... Si double c'est... saut. Est-ce que ça marche? Et c'est quelque chose d'autre que moi qui le touche? Bah non. Ça... En plus, t'as plus qu'un Révali. Ah ouais, mais de toute façon, c'est mort, mais... Ah, j'en avais qu'un de toute manière. Peut-être que tu peux tirer une flèche de là. Non, je peux pas aller plus haut. Je peux pas tirer plus haut que ça. Donc, c'est même pas ça. Non. Je ne sais pas. Ah, si on remarche dessus, ça le réactive à chaque fois. Non mais ce Korogu, il est fou. Oh, c'est beau. Waouh, on peut faire des plateformes comme ça. C'est ça le secret, tu fais tes plateformes et après tu voles dessus. Mais, non, mais tu peux en faire que 3. Je peux en faire que 3, hein. Ça sert à rien. Mais d'ailleurs le coffre il se balade maintenant. Genre... Bon bah je sais pas. Hein. Ta bombe elle flotte. Si je m'occupe de ça maintenant. Bah le problème c'est que c'est possible je pense avec les trois Révali. Bah je sais pas hein, vu le temps que je mets. Bon je vais recharger ma partie. Qui était celle-ci. Mais j'ai perdu mes flèches de glace, inadmissible. C'est pas grave. Ah on peut bientôt avoir un troisième cadeau. Ah bon carrément. Mais t'as pas mis de bloc de glace? Tu penses que je devrais faire ça? Bah oui, parce que là, le temps que tu grimpes ici, c'est trop lent. Enfin. Parce qu'après, regarde, t'as plus d'accroche. Bah oui, mais là, je suis obligé de créer un bloc de glace. T'es mort. D'ailleurs, oui, vous me faites charger au sanctuaire de soda... Et vous me faites pop sur la plateforme des Korogu. Et finalement, oui, en fait, la musique de la statue, ça a toujours été la musique du sanctuaire. C'est juste que, je sais pas, d'habitude, j'entendais pas les petites voix. Peut-être parce qu'il y a un sanctuaire juste derrière la statue, en fait. Surtout que... Mais je peux pas l'atteindre, en fait.
Là, tu peux en faire un premier, mais c'est trop long après de s'envoler. Oui, non, mais je voulais pas. Enfin, là, tu vas jamais pouvoir l'atteindre ton bloc. Ah ouais, il est trop haut. Mais là, en fait, là, tu grimpes, tu fais un truc. Voilà, t'es content, tu t'envoles. Il est trop haut. C'est génial, mais je suppose que c'est bel et bien ça qu'il faut faire. Ça a l'air d'être ça. Dans l'idéal, en fait, il faudrait que tu poses d'abord tes blocs une première fois, t'attends tes 5 minutes que Révali revienne, et puis ensuite tu le refais. Mais... Bon, alors, où est-ce que je peux le mettre? Ah, c'est beau. Ici, ah, ça me paraît bien. Ah, c'est beau. Hein? Bon, mais ok, bonjour monsieur, vous étiez pas là tout à l'heure, mais... Mais maintenant il est là, ok. Ah mais il descend, non? Effectivement. Bon, j'aurais pu le mettre plus haut en fin de compte. Mais non, mais j'ai pas assez de révali. Hein. Bon, je réessaye une dernière fois et puis après je sais pas trop. Tu le marques. On verra. Quand on aura plus de révali. Enfin, non mais il faut placer pile au bon moment ces blocs, c'est tout. Non, parce que tu prends trop de temps à mettre ton bloc de glace. Bon bah tant pis, hein. C'est fini. Allez, on continue notre aventure. Nous n'avons absolument pas... Bon, je vais le noter quand même. Hein. Voilà. Oui, mais puis lui, par contre, il va me tuer, du coup. Mais c'est pas vrai. Je devrais peut-être recharger ma sauvegarde. Comme ça, j'ai mes 3 révali, mes 3 ravioli. Et... Ce serait bien. Pourquoi maintenant il y a un Octorok? Parce qu'il fait jour, il s'est réveillé. Il était pas là tout à l'heure. Regarde, c'est bon, il est plus là. Bon, alors, bon, bah, je continue mon aventure. Alors, peut-être que je récupère les coffres quand même, parce que les flèches, c'est toujours bien. Regarde, il est là-bas. Bon, bah. Bon. Je suis très doué. Comme vous pouvez le constater, avec cryogénisé. Bon, lui, c'était mes flèches de glace. Mais par contre, comment je vais... Ah, si, c'est bon. Bien joué. Mais non. Mais sérieux, ce truc, c'est tellement idiot que ça casse le machin à chaque fois. Peut-être qu'il faut vraiment geler la cascade avec des flèches de glace, et que là c'est que des flèches de glace en fait. Oh mon dieu, je l'ai réactivé! Ah oui, elle est belle ta flèche de glace. Mais bon, j'avoue qu'on peut quand même essayer. De geler la cascade! Donc tirer une flèche de glace dans la cascade pour voir qu'est-ce que ça fait. Tu veux sauvegarder avant? Oh, c'est bon, on a plein de flèches de glace. Bon, on en a que 42, mais c'est pas grave. Ça explose. Très bien. Bon. Bref, nous suivons notre magnifique aventure. Ouais, flûte, flûte, flûte. Oh, des perches. Moi, ça sert à rien. On en a eu plein avec les amiibo. Il t'en veut vraiment, cet octroque. Ah, regarde, un autre sanctuaire. Ah, mais oui, je le savais. Ah, oh, c'est bien, ça. J'en ai marre. C'est un coffre, ça? Non. C'était peut-être une énigme pour imiter une statuette. Ah, des bananes! On dirait que tu dis ça et que c'était la chèvre, la banane, mais... Oh, la banane! Oh, la banane! Oh la banane! Parce que
que c'est que ça? Le sanctuaire? Cachette secrète, oh, avec un coffre. Ah ok, c'était juste l'orage. Un rubis violet. Bon. Ah, le coffre, il est... le coffre, le sanctuaire, il est plus haut. Non mais descends, Link. Attention, mets ton masque de foudre. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Bah je monte. Pourquoi? En recherche du sanctuaire. Mais il pleut. Et alors? Je vois pas le problème. Est-ce que je peux faire un révali ici? Non, c'est pas ce que je voulais faire. Est-ce que je... Non, tu tombes. Mais il y a des arbres après sinon. Derrière toi. Qui sont hauts en plus. Parce que là on est où? On est là. Ouais, il doit être là-haut, je pense. Grimpe dans un arbre avant d'utiliser Révali. Est-ce que je peux grimper dans l'arbre? Ou je vais glisser? Non, ça va. Mince, j'ai plus de stamina, j'ai pas vu. Est-ce que je peux découper l'arbre, tu penses? Oui. Mais tu vas pas faire ça, t'en as besoin. Allez, Link! Bien joué. Magnifique plateforme. Alors, est-ce que tu le vois? Non. Oh, j'ai eu peur, je me suis dit, attends, pendant un instant, je suis pas revenu là, là où... Là, tu vas plus. Il est encore plus haut. Ah oui, là, c'est bon. On se dirige. Oh. Ah mais non, là, c'est pour retomber là où il y avait le coffre, je pense. T'es sûr? Ah, que... bah non. Non, c'est un autre cadeau. Ne t'inquiète pas, sanctuaire, j'arrive. Mais vous êtes sérieux, là? Wouah! T'as même sauvegardé pour ça. Tant mieux. J'avoue que j'ai pas fait pop mon loup. J'y ai pensé. Bien triste. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Qui veut se battre là? Oh! Je l'ai brûlé. C'est moi ou j'entends? Oui, oui, il y a de la musique. Non, le sanctuaire, il est là. Ça veut dire qu'Assarim, il est pas loin. Oui, mais je veux dire, il y a le sanctuaire, donc il est présent. Pourquoi il y a Assarim? Il y en a peut-être deux. Peut-être que maintenant, il donne des conseils autres que pour faire apparaître des sanctuaires. Tu veux... Allez, on va griller le pigeon. Ah. La foudre du ciel. Bah tiens, vite, parle-lui avant qu'il n'y ait plus de foudre. Avec ce mauvais temps et cette pluie, je m'attendais pas à te voir aujourd'hui. Ah, nous nous retrouvons, compagnon de voyage. Ça me fait plaisir de revoir ton visage. Pour ma part, je vais bien, de la queue jusqu'au bec, mais plus heureusement, me garde bien en sec. Mon instrument aussi est fait d'un matériau conçu spécialement pour résister à l'eau. Quand on a une quête avant de se lancer, c'est un genre de détail auquel il faut penser. Là où nous sommes en ce moment, perdure l'un de ces anciens chants et part d'une de ces épreuves où le héros a dû faire ses preuves. Souhaites-tu entendre mon chant? Vas-y, je te remercie, M.M. Une épreuve est dissimulée au cœur du rocher escarpé. Qui est ici? Oh, toi, oh, héros des temps anciens. Oui, bah dis donc. Non, c'était eu pour démontrer ton potentiel avec la foudre du ciel. Cela ouvrira le chemin. Ah, trop bien. Tu vas devoir exploser. Ouais, 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 j'ai trop envie de voir ça. Je sais pas s'il me reste assez de temps, mais... Mais si, vas-y. Juste... Mais oui, il te reste juste un petit peu de temps. Ah, parfait, juste pour exploser le machin, comme ça ton rêve sera réalisé, tu vas pouvoir faire un bon. Ah, jeu. Mais en fait, si ça se trouve, il est en dessous de ce rocher, c'est pour ça que tu arrives à le détecter. Oui, mais ça, c'est bizarre, dans le sens qu'il y a des, donjons. Oh, oui, oui, attends, foudre. Voilà. Éclat céleste! T'as vu comment j'étais trop cool. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Je t'ai trouvé un donjon ring pour toi. D'avoir regardé cet épisode. Je vais te l'ouvrir. Oh, c'est gentil. Et à bientôt pour une prochaine partie. Au revoir tout le monde. Bye bye. Ah voilà, j'ai terminé la quête.